C'est parfait. Nous avons vu tout à l'heure les applaudissements du président de la République destinés. C'est justement la fanfare, hein, ces applaudissements, mais également aux anciens combattants qui ont encore de la langue pour faire justement partie de ce défilé. Ils sont incontournables et c'est indéniable. Le Sénégal va toujours rendre hommage à ses anciens combattants. Et voici les nièces, justement, de ces anciens combattants, les majorettes du lycée John Fitzgerald Kennedy. Pour l'histoire, le concept de majorette a été initié en 1975 par Feu Doudou Ndiaye Kumbarose, à qui nous rendons hommage, paix à son âme, et Madame Germaine Akoni, alors professeure d'éducation physique et sportive au lycée. De 1985 à nos jours, les majorettes du lycée Kennedy sont sous la houlette de Madame Yama Kemé Diédjoumambourebana, professeure de PS et chorégraphe. Ces filles, sélectionnées parmi les meilleurs élèves du lycée, symbolisent l'excellence et le leadership féminin. J'ajouterai l'excellence dans l'élégance, mon colonel, si vous permettez, pour l'émergence de tout ton peuple. Dans leur chorégraphie, elles traduisent à travers les gestuels et l'esthétique corporelle et la grâce, féminine et toute une symbolique. Au fil des années, elles sont devenues de véritables vitrines justement de la culture sénégalaise et font partie intégrante de notre indépendance, des fêtes d'indépendance de la nation Sénégal en Goc. Mesdames et messieurs, voici les majorettes.
Hache Mansour, Ayangok, Wad Kennedy, Nyom Maremangok, Nyom Fatou, Nyom Khadisha, Nyom Aisha, Nyom Awa, Nyom Adama, Majorette Yangok, Nyom Ma.